Allez, salut tout le monde, c'est Taz Récupération, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 251, les amis, de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, je vous avais montré un petit peu tout ce qu'on avait récupéré au total dans le jeu. C'était l'épisode 250, hein, l'épisode Specification, comme j'aime bien les appeler. Et donc, voilà, aujourd'hui, on commence la nouvelle session encore dans le mode légende, les amis, dans lequel nous allons continuer ce qu'on s'était arrêté la fois précédente, à savoir qu'on avait commencé le mode normal, donc sur les trames. Donc normalement, si mes souvenirs sont bons, on avait fait toute la trame héros en mode normal, et on avait commencé la trame Sia, donc la deuxième trame du jeu sur les 4, en mode normal. Et on s'était arrêté après avoir fait le palais du crépuscule, l'ombre captive des ténèbres. Et aujourd'hui, ben, nous allons nous concentrer sur la Sia, la sorcière noire, le maître des cieux, en mode normal. Dans lequel nous allons prendre Volga, voilà. Comme ça au moins c'est fait, et au moins ça, on va pouvoir analyser un petit peu l'indice de la Sculptulador, sachant que Volga elle est au niveau 30, donc voilà, ce serait bien de l'utiliser de temps en temps. Et on va prendre matériau rare, plus on va prendre le truc le plus puissant que nous pouvons avoir en tout cas, et c'est parti. Et du coup c'est bien, ça permettra de nous remettre dans le bain pour l'histoire du jeu. Ego. She found it already beset by a vast army of monsters. But who commanded them, Sia wondered. The inhabitants of Skyloft were clearly overwhelmed. C'est tellement un bon jeu, ce jeu, c'est juste incroyable. je kiffe toujours autant ce jeu, hein, c'est... The goddess fought alongside the humans, but the beast's advance could not be stopped. A great darkness would soon... Je kiffe tellement ce jeu. Though Sia cared nothing for the fate of the villagers, she began formulating a plan. Ha, Jiraim. Ah oui, je crois qu'on va affronter Jiraim, c'est ça? Creatures to Skyloft would make a powerful servant. She would need to subjugate it. D'abord le vaincre, ouais. Donc c'est ça, on va affronter Jiraim. Launching herself into battle to defend Skyloft, Sia looked for an opportunity to weaken this dark power and then add it to her forces. Eh hey! Ah oui, c'est vrai qu'il y a un peu de camp jaune. Alors, l'armée de la sorcière, nous avons Volga, Sia, Insero dans notre équipe, avec Jiraim, le banni. Oh oui, nous avons le banni. Nous avons le banni. Nous avons des maîtres Stalfos de partout. Ouh là là, oui, nous en avons vraiment de partout, ça. Et armée de Célestbourg, donc fait. Et nous avons des capitaines de Célestbourg. Oh, les capitaines de Célestbourg, c'est pas ce qui me fait peur, honnêtement. En termes de base... En tout cas, de liste d'efforts, nous avons la base tierce. Ok, nous avons la base tierce qui est la base, on va dire, la base centrale, la base principale du fort jaune, tout simplement. Et nous avons également le fort, enfin, la base, elle est où la base? Ah, elle n'y est pas. Elle n'est pas la base, on va dire, la base principale des ennemis. Et la fontaine de la déesse dans lequel il y a un coffre. Mais bon. Alors du coup, c'est parti. Ah oui, avant. Toute chose, c'est important. Joueur. Et on va aller voir du coup là ce que tu l'adores. Prenez et gardez le contrôle de tous les forts à l'exception de la base tierce en 10 minutes. De la base tierce. Donc on doit prendre tous les forts en moins de 10 minutes en mode difficile. Quoi? Bon, après, en mode 10 minutes, c'est possible, hein. En fait, je suis en train de me rendre compte, mais... On prend Insero en premier, on l'amène au premier fort, pendant que... Et une fois qu'Insero est au premier fort, on le contrôle, on prend Volga, on lui demande une commande, il prend le fort en bas. Ensuite, on demande Insero d'aller tout en bas, on s'en bat les couilles des ennemis, il prend le fort en bas. Et une fois qu'on a pris le contrôle d'Insero, on demande à Volga de se déplacer... Et en tout cas, on amènera Volga de base en bas. Ah, en fait, finalement, en fait, c'est possible. Hein. Je suis en train de être choqué, mais en fait, c'est possible. En fait, c'est possible. Je sais pas pourquoi j'étais choqué ou j'étais un petit peu abasourdi, mais c'est possible. Ma foi, je sais pas pourquoi. Bref, Célestbourg. Allez, go. Genre, par exemple, tac. Voilà, par exemple, ça.
Hop. Par contre, Volga, tu resteras pas sans rien faire, c'est moi qui te le dis. Bouge ton cul. Bouge ton boule. Hop. Aïe, 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 doucement, eh oh. Tu veux que je t'apprenne la politesse? Merci. Voilà. Je t'apprends la politesse quand même. Alors ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Donc j'espère de pas avoir trop perdu en termes de capacité. Technique. Voilà, et Sia en plus. Ah, mais en plus, on a Sia, donc on va pouvoir même envoyer Sia à notre fort. Donc en fait, pendant que je suis en train de faire le truc, par exemple, Insero, il est, je l'envoie là. Il ferait ça, après je l'envoie là. Volga, je l'envoie là. Mais en fait, Sia, après, je peux l'envoyer ici. Et comme ça, nous, on peut partir directement là. Bon, en fait, en 10 minutes, c'est même 1000 fois possible. En fait, 10 minutes, c'est encore 1000 fois possible, quoi. Non, mais c'est vrai. En 10 minutes, c'est trop possible. Ok. Boum. Tac. Oui, le dragon. Boum. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ce jeu. C'est juste incroyable. Bon. Sachant que je suis bien concentré. Je suis pas fatigué ni rien pour le filmer. Ce soir, c'est un miracle, mais je suis pas fatigué pour le filtre. Par contre, ah non, Sia, ça va. Voilà, laissez-la aller parce qu'elle protège un petit peu. Et sachant que elle protège bien. Hop. Tac. Bon ben, vraiment, je suis en plein kiff. Hey. Éliminer le banni. Ah, donc du coup, en fait, on a la bastière. Ah, bah, du coup, en fait, ça veut dire que c'est comme si on était pris. Donc, en fait, ça va encore être plus facile. Bah, attendez, mais comment ça 10 minutes? Je comprends pas. Comment tu veux mettre 10 minutes, en fait? Honnêtement. Non, mais honnêtement, avec 3 personnages. Alors, peut-être sur la version Hyrule Warriors, c'est très difficile. Mais la version. Mais en tout cas, je vois vraiment pas la difficulté. Dans la version, tu peux contrôler les gens en fait. Ok, le banni. Viens ici toi. Hop, tu sais quoi? Allez, mon gars, il faut aussi te niquer ta race. Voilà. Oh, attendez. Voilà. Hop, hop, hop. Merde, il s'est levé à temps ce connard. On a de la chance. Oh non non non, c'est bon, j'ai. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Eh, hey, viens ici. Tac. Yeah. Bon ben. Ça va être très facile. Oh par contre, cette attaque pour éliminer les pieds du banni, c'est. Non. C'est juste génial. Merde. En fait, faut pas que j'utilise ça parce que c'est trop long en fait. Ouais, en fait, faut pas que j'utilise ça. Uniquement, il faut que j'utilise ça quand le banni attaque avec ses putains de pieds à la con. Par contre, mon gars. Voilà. Il faut juste me laisser toucher une fois, quoi. Et du coup. Voilà. Attendez. Ok, attention. Hop. Merci. T'es mort? Non. Ok, ça, il se débrouille pas trop mal. J'aimerais juste éliminer le banni en fait. Allô? T'es un peu débile, non? Il est un petit peu débile ce banni. Hop, hop, hop. Aïe. Allez, hop, on va pouvoir tout niquer. Et là, putain, ça c'est tellement le meilleur plan pour le banni. Un des boss les plus chiants du jeu, dans le sens avec ses putains de pieds électriques là. Ok.
Touche-moi une fois, comme ça au moins tu peux te lever vite. Donc 1, 2, 3, 4. Non. 1, 2, 3. Voilà. On s'occupe de lui. Et voilà, on va pouvoir l'éliminer ce connard. Boum. Eh ben voilà, ça c'est bien, ça on se débrouille pas trop mal. Ah, on l'a pas encore éliminé. Bon, normalement la prochaine fois c'est la bonne. Voilà, fais ton attaque de merde. Voilà, t'es content, t'es content. Allez, maintenant il faut le faire 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et voilà. C'est vraiment très easy quand même. Attention. Hop. Et voilà, mission complete. Ça, j'adore ça. Par contre, j'aimerais juste d'abord avoir le matériau, puis après je vais défoncer Jirai. Merci. Alors, t'es où? Hop. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. 1, 2, boum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Kamehameha. Ah oui, c'est vraiment ça. C'est Kamehameha le machin. Ou si, pour, si vraiment vous reconnaissez cette référence, je vous suis ça. Honnêtement, je vous suis ça. Non, enfin, bah, ouais, façon de parler, évidemment, mais... Voilà, honnêtement, si vous reconnaissez la référence que je vais citer, Rayon Astral. Je sais pas si vous allez reconnaître la référence. Mais en tout cas, il faut vraiment que vous la reconnaissez. Parce que c'est une très très bonne référence, honnêtement. Oh, c'est mignon, ils m'ont trahi. Ah, d'accord. Les conditions de défaite ont changé. Bam! Rayon Astral! Putain, si vous reconnaissez la référence, je vous aime très 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 fort. Honnêtement. Déjà, je vous aime très 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 fort, alors là... Non, mais vraiment, c'est... Si vous connaissez ça, je vous aime. Ah, il faut, hein. Il faut connaître ça. Par contre, vous faites quoi, là, Volga? Tu rames ou tu rames? Va t'occuper de ça. Et s'il y a... voilà, ne fais pas rien aussi. Va avec Volga. Éliminifère. A reçu des renforts. Sans blague. Ok. Bon. Des renforts, hein. Est-ce qu'on peut appeler ça des renforts? Parce qu'il n'y en a vraiment pas tellement. Hein. Boum! Kamehameha! Allez, prenez le contrôle de 3 forts. Ok. Ah, des preneurs de forts ont rejoint la bataille. C'est pas gentil ça. C'est vraiment pas gentil. Merci. Hop. Merci. On va aller vite éliminer les preneurs de fort là. Mais attendez, mais... T'es sérieux là? Ne laisse pas s'échapper toi, abrutite. Ça c'est fait. Merci. Allez. Voilà.
Hop, toi. T'es mort. Vous êtes mort en tout cas. C'est pas très puissant, hein. Faut un danger. Allez, viens, Sia. Il faut être en danger en bas aussi, putain. Une siro. Hop. Boum. Eh ouais, fort perdu. Ça va là le cheat absolu. Oh wow wow. Attendez, 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 attendez. Putain, y'a un autre preneur de fort, t'es sérieux? Ok. Ok, ok, ok. Maintenant, on va les intercepter ici. Parce que là, ils sont très nombreux, là. Merci. Ça, c'est fait. Ouh, à mon avis, on va pas tarder, pardon, à s'arrêter. Et on, normalement, on finira ce stage la fois prochaine. Hop. Boum. C'est fait. Slash. Merci, merci. Dans tous les matériaux qu'on obtient. Voilà. En fait, j'aimerais bien Volga aille là. Une séro, mon gars, va là. Comme ça, au moins, on va prendre tout ça. Hop. Onze minutes. Là, j'ai plus de son d'un coup. Oula, je sais pas pourquoi il y a plus de son. J'arrive vite prendre le fort. Putain, je crois qu'il y a un preneur de fort, mais j'en suis pas sûr. Il y a un preneur de fort ici ou quoi? Vous me dites urgence? Pas du tout. Pourquoi vous me dites urgence? Parce que, ouais, certes, il est en faible de vie, mais quand même. Je vais pas les éliminer, ça. Hop. Tain, tain, tain. Ok. Ok. Bon, ben, je crois qu'on va devoir s'arrêter là, les amis, hein, pour cet épisode 251. Voilà. Voilà. Et boum. Eh ben ça, j'aime bien ça. Ok. Par contre, toi, tu restes pas sans rien faire, je te le dis. Tu fonces ici. Eh, doucement. Hop, hop, hop. Boum. Et voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Fait. Père de la puissance.
Tac. Ça, c'est bien. On est proche de la fin, là. Ça me fait chier de vous laisser ici, en fait. Là, il est 20 minutes, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Mais là, on est proche de la fin, donc je pense pas que je vais m'arrêter, finalement. C'est vrai qu'on l'avait fait, je crois, la première fois, on l'avait fait d'une traite, hein, une vidéo, en fait. Mais là, vu qu'on est en mode normal, c'est un peu plus long de battre les ennemis, vu que on est... Enfin, certes, on est plus haut niveau que ce qu'on a été la première fois qu'on a fait ça, mais là, c'est le mode normal, donc ils ont plus de vie. Mais, ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée de vous laisser ou pas. Oh merde. Si, y'a. Je sais pas si c'est une bonne idée de vous laisser là maintenant ou pas. Ouais, 21 minutes. Non. Ah si, quand même, profitez de la rentrée. Là, c'est la rentrée de la série. On se laisse au moins qu'à 30 minutes. À 30 minutes, on n'a pas réussi. C'est la rentrée. Je vais pas quand même pas vous faire. Je vais quand même pas chipoter maintenant quand même. Hop, hop. Tac. Voilà, c'est la rentrée, on va pas chipoter. Merci. Alors. Tac. Ok. Boum. Boum, boum. C'est vraiment un magnifique personnage aussi, hein. Je croirais pas comme ça, mais c'est vraiment un personnage très ravissant. On le dit pas assez, mais Sia est vraiment canon. Hop, hop, hop. Par contre... Insero. Viens ici, s'il te plaît, quand même. Merci. Il y a vraiment pas mal d'ennemis. Alors, ça m'étonnerait qu'on passe niveau 31 ici, hein, mais voilà quoi. Avec elle, au moins ça m'étonnerait, mais au moins, voilà. On y va vers les niveaux 31. Enfin, vers les niveaux 31. Là, on gagne presque rien en XP, donc on en gagne, hein, mais très très peu quoi. Ok. Ça, c'est fait, c'est fait. Allez, Volga. Maintenant, on va amener Sia ici. Insero là. Sia, oui, Sia, je te l'ai amené où? C'est pas Sia que j'ai sélectionné tout à l'heure. Si, si. Hop. Tac. Boum. Aïe aïe aïe, doucement. Eh oh! C'est qui me fait ça? C'est ces connards là? Eh ben voilà! Je crois ici il y a un coffre, on avait récupéré le réceptacle de cœur, si mes souvenirs sont bons, mais j'en suis pas sûr. Hop! Boum! Ouais, je crois que c'est ça. Ok. Bon ben c'est parti. Fait. Boum. Ah oui. Oh oui. Oh oui. Et voilà. Bon, on a tellement tout explosé. C'est vraiment tellement une best attaque celle-là. Hop. Et boum! Je crois que là elle est morte, hein, à mon avis. Boum! Et ben voilà! Bon, on n'a pas obtenu de matériaux ultra rares, mais au moins on a obtenu des matériaux rares. Et ben voilà!
Bon. Et ben comme ça c'est bien, j'aurais au moins tourné 3 épisodes aujourd'hui de ce jeu. Dont 2 assez longs parce qu'il y avait le tutoriel et le 250e. Mais à mon avis, je pense que pour aujourd'hui, ma session de tournage de ce jeu s'arrête, je la reprendrai demain. Je vais filmer comme ça les autres jeux, comme ça demain je monterai 2 types de Hyrule Warriors différents. Mais voilà. Ça s'est fait. Putain, je suis fracassé. Comme ça au moins on va pouvoir s'arrêter. Oui, c'était stylé ça par contre. C'était très stylé. Et ben voilà. Alors, 5 armes obtenues. Os massif de dragon, 88 dégâts éléments vie, slot vide. Rapier en platine, 96 dégâts, 3000 ennemis requis. Baguette de feu, 88 dégâts, slot vide. Et ainsi, sabre de pirate, 82 dégâts, attaque fort 2. Et Dragon Mojo, 96 dégâts, attaque spéciale plus. Pour 2 boucliers de Captain Dairule, une talent de fée. Un talent de fille. Donc, c'est bien ça. Peut-être je vais pouvoir améliorer un badge, avec ça au moins. Une grande écaille de banni. 17 gantelets de Captain Dairule. 2 cartes de maître Stalfos et 19 habits de soldat. Bon, ben écoutez, ce mode normal c'est fait. Je analyserai de mon côté quand même le petit indice. Ben non, même pas, vu qu'il faut prendre, c'est indiqué, il faut prendre l'intégralité des forces off la barre tierce en au moins de 10 minutes. Donc j'ai même pas ça à décortiquer. J'ai même pas ça à décortiquer. Par contre, là du coup, honnêtement, 2000, ouais, on le fait. 4000. Bon, on va attendre un peu quand même. On va attendre un peu. Par contre, à la badgerie. Attendez, attendez. On va mettre à Link. Voilà. Déjà, on va voir un peu si on peut faire un truc avec le talent de fée qu'on vient de récupérer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On dirait pas, hein. C'est un peu vide. Ouais, on peut rien faire. Oh non, rien. Mais c'est incroyable. Ah, si, quand même, avec le talent de fée. Alors avec Jiraim, Amour de Nairu 2 empêche les 2 premiers coups d'une attaque subie de vous faire reculer. Cela requiert un talent de fée sur 1, un ornement de casque de Volga sur 27 et 3 viandes de Moblin sur 24 et 3000 rubis pardon. Amour de Nairu 2 va être créé, voulez-vous continuer? Bien sûr. Le badge Amour de Nairu 2 a été créé. Bon, au moins ça c'est fait. Oh, par contre de talent de fée, ils sont bien gentils, hein. Mais je les aurais pas. Ils sont bien gentils, mais je ne les aurais pas. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. La fois prochaine, les amis, nous terminerons la trame de Sia avec le dernier scénario d'elle, à mode normal, dans la gorge de l'Anel. Sia, la sorcière noire, la lumière perdue à jamais, dans lequel une Scutulador en mode difficile, mais bon, ça, on s'en fout de la Scutulador, on ira juste voir l'indice, comme ça au moins on prépare le terrain pour les fois prochaines. Sachant que au cas où, j'ai évidemment tout gardé et j'ai tout décrypté, donc du coup, j'ai tout ça dans un dossier fié à son effigie. Comme ça, je ressortirai avant de tourner l'épisode, ou avant de tourner ma session, je le ressortirai pour voir un petit peu l'indice. Et du coup, pour voir le truc que j'ai décrypté. Et comme ça, au moins, c'est fait. Donc du coup, logiquement, je dis bien logiquement, la fois prochaine, nous commençons, parce que je pense qu'ici, ça va nous prendre 2 épisodes. Donc il est fort probable que nous terminons la trame Sia dans l'épisode 253. Donc... voilà, donc l'épisode 252 sera déjà au moins consacré pour une bonne partie de ce scénario-là. On verra pour le reste. Et donc du coup, cela permettra du coup d'achever le mode normal dans la trame de Sia. Enfin, c'est déjà bien. C'est déjà bien, comme ça il manquera plus que la partie difficile, le mode difficile et le mode héroïque. Et évidemment, la Scutulador à faire, comme ça au moins on sera tranquille, tout simplement, sachant qu'on fera évidemment le mode difficile avec la Scutulador en même temps, comme ça au moins c'est fait. Et après, il suffira de s'attaquer à la trame de Linkle et à la trame de Wind Waker en mode normal pour en avoir fini avec le mode normal. Voilà tout. Bon, merci de m'avoir suivi. On se dit du coup, les amis, à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.